Lucas, salut les astros. Aujourd'hui, on va fabriquer un filtre solaire à l'ouverture pour la lunette astronomique de 70 mm qui est là juste derrière moi. Hein? Alors, j'ai. Bon, alors ce qu'on va commencer à faire, c'est à découper dans le calendrier deux carrés. Exactement, eh bien, de cette taille-là, à peu près, hein. Donc, pour ça, je vais déjà mesurer la taille de ce truc-là. Ça fait, je suis con, c'est écrit dessus, puisque c'est 145. Ouais, alors je vais faire du 150. 150 mm, donc 15 cm, 150 mm, 15 cm, hop, on va se mettre ici, on va faire une marque, voilà pour la première marque et la deuxième marque. Ah, une équerre quand même, hein. C'est bien d'avoir une équerre. Voilà, on a nos deux plaques. Ça, on n'en a plus besoin. Alors, ce qu'on va faire, on va déjà ouvrir notre paquet. Alors, pour ceux qui n'ont jamais vu ce qu'il y avait dans un paquet Bader, vous avez un gabarit. Donc nous on va couper 70 mm, c'est ici. On va couper un peu plus large. Hein, on a de la marge. Vous avez ensuite un petit guide qui vous permet de construire un filtre à leur façon. Hein. Hein, ça donne ça. Bon, moi c'est pas vraiment ce que je vais faire, donc ça je vais pas m'en servir. Vous avez ensuite le filtre. Le filtre, il est entre deux fines feuilles de protection. Voilà. Donc attention, hein, contrairement à ce que j'ai pu entendre dire par certaines personnes, ce n'est pas du papier aluminium. Hein. Ne remplacez pas un filtre Bader comme celui-ci avec du papier d'aluminium. Premièrement, le papier d'aluminium, il est opaque, donc vous ne verrez rien. Et s'il y a le moindre petit trou quand vous regardez dans du papier aluminium, hop, vous avez l'œil crevé. Hein. Bon, alors, ça, on ne va pas s'en occuper tout de suite. Ce qu'on va faire, on va utiliser le gabarit. Donc, on va couper... On va couper un peu plus large. Ouais, on va couper un peu plus large. Parce que. Alors, j'ai un pied. J'ai un pied à coulisse. Vous pouvez le faire avec un mètre à ruban. Hein. Mais on va mesurer l'ouverture du télescope. Voilà, ce qui nous donne 112,8. Je ne suis pas sûr d'avoir pris les bonnes mesures correctement. Hop. Il ne faut pas le bouger. L'idéal, ce serait de le lire directement.
Voilà, 111,5, donc on est à 112 mm à peu près. 111, 112. Ce qui veut dire que, au niveau de notre bricolage, on va faire ici un diamètre un petit peu plus petit que 112. Hein, on va prendre un diamètre. Voilà, 112, on va prendre un diamètre 200 100 mm. 100 mm, allez, 90 mm. On va pas prendre de risque, on va prendre 90 mm, on va se faire un. Donc on va découper le gabarit. Les diagonales du carré. On y va tout doucement, hein. C'est pas fait pour être découpé. C'est juste un tracé et nous permettre de trouver ici le centre. On va y placer, hop, notre petit gabarit. Et puis on va reporter le tracé support. On va faire la même chose avec l'autre, ce qui va nous faire deux plaques qu'on va venir bien scotcher. Voilà. Voilà. Et deux. Voilà, donc l'opération après, ça va être, eh bien, placer, donc il fait 112, hein, on avait dit qu'il faisait 112 mm. Je vais remettre le petit cercle au milieu, voilà, pour pouvoir récupérer mon centre, voilà, à peu près, hein. Et on va mesurer, donc, en millimètres, c'est quoi ça? C'est des pouces? Non, ça c'est vrai. Allez hop, on va prendre ça. On va mesurer donc 112 mm divisé par 2, ça nous fait combien? 56 mm. Voilà, 56, ça nous met ici. Alors pourquoi je trace ici? Parce que ça ici, ça va être le bord de mon télescope, hein, de ma lunette astronomique va venir exactement se positionner ici, sur ce bord-là. Ce qui veut dire que si ensuite je veux pouvoir le serrer, il va falloir que je fasse moi ici avec mes petites vis que je place ici. Alors, hop, on refait la même chose dans l'autre sens.
On essaye de se mettre au milieu. Là, on fait la diagonale. 56, c'est ici. La même chose ici. Voilà, c'est assez approximatif, il n'y a pas besoin d'être super précis non plus. Voilà, donc j'ai ici, ici et ici. On va ouvrir notre sachet. Hop là. Deux vis avec boulon. Voilà, on va prendre une tige. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un trou pour laisser passer cette tige avec une possibilité de le monter et de le descendre pour le desserrer. Donc on va le mettre légèrement en dessous et puis légèrement au-dessus. Donc on va faire une découpe comme ceci. Bon, déjà on va prendre 4 mm. C'est pas super précis, 4 mm, on va essayer de le faire avec ça. On va essayer de faire un petit peu plus que 4 mm, il faut quand même que ça rentre. 4 mm 2, c'est bien. Voilà. Voilà, donc j'ai fait un repère ici et un repère juste à côté. Ça fait 4 mm. Donc ça c'est la taille de cette vis. Alors on va faire une échancrure comme ça. Voilà. Donc ici on a notre repère. On va venir le percer un petit peu en dessous. Voilà. Vous allez vite comprendre quand j'aurai terminé la découpe, c'est un petit rectangle, hein. Pas grand chose. Hein. Voilà, on a fait un trou, on va venir y placer notre vis. Alors avant ça, on va utiliser les rondelles. Deux rondelles. Voilà, donc une rondelle. Comme ça. Ça, on peut le bouger. On va venir normalement avec. On va faire la même chose ici. Hein. Ce qu'on a fait ici, on va le refaire ici. Donc, normalement, ça va nous faire une deuxième plaque comme ça. La feuille, le filtre sera entre les deux.
D'accord? Quand on aura mis les deux feuilles, oups, je fais tomber ma vis, on va pouvoir ensuite le serrer. Voilà. Donc on en fera un ici, un là, donc on en a fait un ici. Et puis ça, ça va venir se poser sur le télé, sur le télescope. Tac. Voilà un peu le principe de notre filtre solaire. Bon, allez hop, j'enlève tout ça. Voilà, et on va faire la même chose sur l'autre gabarit. J'ai oublié de découper un. Ah là là, et à force de vouloir aller trop vite. Voilà. Tout c'est de retrouver la bonne position de découpe. Ça doit être celle-là. Voilà, c'est la dernière, comme d'habitude. Donc avant de fixer eh bien, le filtre Bader, on va s'assurer que tout fonctionne bien dans le meilleur des mondes. Normalement, ça se place dessus, comme ceci, avec nos boulons, bien serré. Ok, très bien. Ici. Alors moi j'ai pris une sangle comme celle-ci parce que j'en avais une dans mon matériel. On peut sécuriser simplement avec. Voilà. On peut sécuriser avec une corde, hein, tout simplement. Une corde. Donc voilà, là ça tient. Si je tire dessus, ça ne bouge pas. Alors on va utiliser le scotch armé pour un peu rendre. Alors comme c'est du carton. C'est pas terrible parce que bah, il peut y avoir de l'eau dessus, ça peut être mouillé et donc ça peut vite devenir abîmé, ça peut vite s'abîmer. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va le rendre étanche en y mettant hop, ce scotch armé. Bien. Comme ça, voilà. On les repère bien. Hein. Maintenant, on bouge plus. Hein. On est bien comme ça. On va pouvoir. Hop.
Voilà, on a nos deux filtres. J'essaie de trouver maintenant. Voilà. Donc ces deux filtres vont venir comme ça. Comme ça. Maintenant, on va prendre notre scotch, hop, double face. On va venir, hop, découper les petits bouts. Voilà, on va venir découper tout petit bout. On va venir placer comme ça. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre cette jolie feuille de millard et on va la placer sur un support un petit peu plus, un peu moins rugueux que ça. En fait, j'ai trouvé le fond d'un cadre, c'est super lisse. Et ça va être super. Souffle bien dessus hein, pour retirer toutes les poussières, toutes les petites poussières qui pourraient s'être accumulées. Ici, on va prendre notre filtre et on va venir le plaquer dessus. Hein. Ça qui est bien. Voilà. Et puis on va venir plaquer. Hop. Voilà, on est venu plaquer la feuille directement sur le support. On appuie bien pour que ça adhère correctement. Voilà, voilà ce que ça donne. Ok, donc maintenant, hop, on va venir plaquer cette feuille-là, ici, ça. Alors, je pense que ça doit être ça. Je vais repositionner ça là-dessus. Hop. Pour être sûr qu'on est bien en vis-à-vis. Voilà, comme ça. Donc c'est en dessous. Ça sera bien en dessous. Comme ça. Voilà. Et voilà, maintenant on n'a plus qu'à en refixer eh bien, tout le dispositif. Voilà ce que ça donne. Au niveau de notre de beau filtre, et donc on n'a plus qu'à le fixer.
Voilà. Sur le télescope et on refixe bien sûr la sangle pour sécuriser le montage. Voilà donc j'espère que ce tutoriel concernant eh bien, la fabrication d'un filtre solaire vous aura plu. Donc on a fabriqué un filtre solaire solide, efficace. Voilà, tout simplement. Maintenant, il n'y a plus qu'à se faire au niveau du viseur un viseur solaire. Donc, on ne va pas utiliser cette lunette-là. On va la masquer et on va faire un viseur solaire qu'on va mettre ici sur le tube. Donc, le viseur solaire, ce sera le prochain tutoriel. Pour l'instant, pour viser le soleil, c'est simple. Vous utilisez votre lunette et vous mettez un petit écran ici, soit votre main, soit un écran pour pouvoir viser le soleil sans mettre l'œil à l'oculaire. Ne jamais mettre l'œil à l'oculaire d'un chercheur pour chercher le soleil. C'est tout aussi dangereux que de regarder à travers un oculaire sans avoir mis de filtre à l'ouverture. Voilà mes dernières recommandations et merci à Maurice pour m'avoir tenu compagnie pendant tout ce bricolage. Comme vous pouvez le constater, Maurice est en train de prendre un bain de soleil. Allez, salut, ciao, bye les compagnies. Bon, et bien pour ranger le filtre solaire, c'est simple, j'utilise un sac zip, un sac zip congélation. Voilà. Et le filtre est donc en sécurité. Toutes les poussières ne rentreront pas dedans. Ce qui évitera effectivement qu'il soit détérioré par des poussières. Donc toujours bien souffler le filtre. Et ne jamais le brosser avec les doigts ni avec quoi que ce soit, toujours le souffle. Donc on souffle pour pouvoir nettoyer son filtre. Hein? Le soufflage, hein? Jamais de contact avec quoi que ce soit, avec la main, avec. Ah, on peut pas, ça sert à rien de faire ça pour le nettoyer. On risque de percer, de le rayer, de l'abîmer. Donc toujours souffler et si vous voyez que le filtre est toujours sale, utilisez peut-être un souffleur spécial. Donc je sais qu'il existe des bombes aérosols pour souffler les claviers d'ordinateur. Et si vous avez le moindre doute, eh ben, c'est simple, vous démontez le filtre, vous achetez un nouveau filtre Bader et vous le replacez. Voilà, tout simplement. Ne prenez jamais de risques là-dessus. On n'est jamais trop prudent. Vaut mieux jeter un filtre, même s'il est bon. Si vous avez le moindre doute, changez-le. Voilà. Tchuss. C'est fini maintenant.